On the track. Yo, salut l'équipe, j'espère que ça roule. En tout cas, pour ma part, ça va impeccable. C'est GTX Gang ou Easy Money. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire le don de véhicule très facilement, très rapidement. Donc c'est le mock à mock les potos. C'est notre version, c'est très rapide. Je vous invite à faire cette manipulation avant qu'elle ne soit pâtiée et à profiter un maximum et à récupérer un bus festival pour les prochaines dons de véhicule pour ne plus être emmerdé. Donc voilà les potos. Pour cette manipulation, pour celui qui va récupérer les véhicules, il aura besoin d'un centre d'opération mobile avec le dépôt de véhicules personnels en module 3. Il aura besoin d'une MK2 qui met dans un garage n'importe lequel. Ça, c'est juste pour le bug, les potos. On va pas la perdre. On aura besoin d'un certain nombre de Fadjo. Donc ça, ça va dépendre de combien de véhicules vous voulez récupérer. Donc pour ma part, c'est 4. Donc je vais mettre 4 Fadjo dans n'importe quel garage, sauf le QG de motard. Pour notre ami, il aura besoin du centre d'opération mobile et du véhicule à nous donner. Donc une fois qu'on a tout ça, c'est parti pour la manipulation. Donc on a sorti notre centre tous les deux. Donc moi, je vais prendre mon MK2 et je vais rentrer dans mon centre d'opération mobile. Une fois à l'intérieur, je vais sortir à pied. Une fois dehors, je vais demander à mon ami de se mettre à proximité. Comme ça, j'ai le message « Entrer avec ami à proximité » derrière mon centre d'opération mobile. Donc là, je fais « Entrer avec ami à proximité ». Une fois que je suis à l'intérieur, je récupère ma MK2 et mon ami sort à pied. Donc une fois que je suis dehors, je vais poser ma MK2 et je vais récupérer une voiture de PNJ. Donc je vais la récupérer et je vais la coller derrière le centre d'opération mobile. Une fois que c'est fait, je vais récupérer mon MK2 et je vais monter sur la voiture. Donc là, vous allez voir qu'il y a bien la flèche de droite. Donc je fais flèche de droite et là, ça va faire bugger le centre, c'est impeccable. Donc là, j'ai plus qu'à descendre de la moto et à renvoyer ma MK2. Donc là, j'appelle un Fadjo qui provient d'un garage. Une fois que c'est bon, je monte dans le véhicule que mon ami veut me donner. Donc lui, il va se diriger derrière son centre d'opération mobile et il va faire entrer avec ami à proximité. Donc là, c'est impeccable. J'ai bien récupéré son véhicule. Donc là, on est bloqué. On ne peut pas sortir les poteaux. Donc on demande une invitation dans le centre d'opération mobile de notre ami. Une fois qu'il nous l'aura donné, on va se prendre dans son centre. Et là, on sortira par son centre. Donc si on veut recommencer, on n'aura plus qu'à faire la manipulation du début, appeler son MK2 qui provient d'un garage. Et là, on la rentre dans le centre d'opération mobile. Ils vont nous dire dépôt de véhicule plein. On dit OK. Et là, on recommence ainsi de suite. Donc voilà les potos, j'espère que ça vous a plu. C'était comment récupérer un véhicule très rapidement. C'était GTX Gang. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de laisser un petit like, ça me fera très plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire aussi, ça me fera encore plus plaisir. Et je vous dis à très bientôt l'équipe, on est ensemble.